Bien ou quoi les gars, ces nations, souvenez-vous, la pêche aux cadavres a été patch dans la mise à jour. Eh bien, il reste encore une méthode d'argent infini, d'argent très facile, qui consiste toujours dans la pêche. Regardez, là, je chope un saumon rouge, 3 étoiles. En fait, elle est passée inaperçue cette technique, et pourtant, je l'avais fait en vidéo il y a longtemps. J'avais même montré les deux spots que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je suis obligé de vous la remontrer parce que c'est une technique tellement passée inaperçue, genre tout le monde l'a oublié, personne n'y pensait. Tout le monde était concentré sur la pêche au cadavre, comme moi, hein, de toute façon, même moi, la technique, celle-ci, je ne la faisais jamais. Mais elle n'a pas été patch, Rockstar n'y a pas pensé, justement parce qu'elle est passée inaperçue. Elle fonctionne toujours. En fait, les poissons vont s'échouer, vont se laisser mourir sur la terre. Un peu comme la pêche au cadavre, mais cette fois, ça va être différent. Donc, c'est une technique qui fonctionne que dans les petites rivières, les petits ruisseaux. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver des poissons un peu partout sur les bords. Donc, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Après, il va falloir les chercher, parce que les poissons vont s'échouer un peu partout, donc il faudra toujours les chercher. Vous allez vous rendre sur ce rocher qui est situé. Donc, les deux spots sont bien précis, hein, on ne peut pas les faire ailleurs. Là, je suis ici, vraiment très très loin, éloigné de tout. Au-dessus de Strawberry, voilà, là il y a Strawberry. Et ben nous, on est ici, il faut monter tout en haut et aller exactement là où je suis. Donc là, vous êtes sur le rocher, vous avez votre ruisseau, vous sortez la canne à pêche. Vous prenez l'heure de rivière. Après, il me semble que dans ma toute première vidéo sur ces spots, j'avais fait avec un appât normal. Maintenant, j'utilise l'heure de rivière parce que j'en ai, voilà. Vous pêchez et en fait vous attendez. Donc vous pouvez faire la vue pour voir s'il y a du poisson. Hein. L'œil de lynx. Vous allez voir que ça va spawn. Regardez. Là par exemple dans la mini cascade il y a 3 saumons rouges qui viennent de spawn. Donc vous attendez encore. Vous attendez, vous laissez comme ça. Là ils vont rester au même endroit tant que vous serez en train de pêcher. Et normalement derrière nous, regardez derrière nous. Ici, attendez je vais remettre la vue. Derrière nous, il y a beaucoup de poissons qui viennent de spawn. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est ceux qui sont derrière qui vont s'échouer. Donc il faut regarder. Ah, qu'est-ce que je vois là? Un saumon rouge qui est mort. Regardez, il s'en va. Donc parfois, il y en a certains qui vont aller très très loin et que vous allez perdre. Il y en a d'autres qui vont s'échouer sur les côtés ou se bloquer dans des rochers. Donc voilà. Là, je pense que c'est bon, on peut arrêter. Maintenant, on va aller ramasser ce qu'on a, ce qu'on a trouvé. Donc j'ai trouvé un brochet maillé. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Maintenant, on va se balader, on va chercher tout ce qu'on trouve. Enfin, on va chercher tout ce qu'on peut ramasser. Là, il y a un crapet. Non, une perche, c'est une perche. Bon poisson, ça. À côté, il y a un crapet. Voilà. Ouvrez bien les yeux, hein. Surtout, il y en a beaucoup qui sont cachés des fois. Tiens, tenez, regardez là. Tous ceux qui sont en train de mourir là. Plein de perches mortes. Sur ce rocher. Donc ça va bien mourir sur les rochers, ça va se coincer, etc. Moi, le saumon, je l'ai pris, il était coincé. Voilà, je ramasse brochet, crapet, perche. Et voilà, ce spot est très bien parce que vous avez pas mal de poissons qui coûtent cher. Tenez, regardez là. Il y a 2 saumons rouges qui viennent de spawn. Alors, on sait pas comment. Hein. Ils étaient pas là juste avant. Bah là, attendez. Alors lui, il s'enfuit. Ah, je crois qu'il est là. Ouais. Ok, il s'est coincé là. Vous voyez, ils sont bien cachés. Et ça continue de spawn. Il y en a encore qui meurent. Hop, reste là, toi. Alors le saumon il est bloqué sous le tronc d'arbre, j'arrive pas à le prendre. Donc c'est juste pas de chance. Après un premier coup de canne à pêche, surtout baladez-vous partout parce que ça respawn, ça c'est vraiment... Il y en a vraiment partout après qui meurent, qui vont un peu partout. Donc là le saumon rouge, tant pis, je laisse tomber. Tenez, regardez, vous avez un saumon rouge là, il est mort. On le prend. Regardez, il y en a un autre qui vient de spawn juste sous mes yeux là. On va le laisser s'échouer tranquillement.
Enfin, on va l'aider quand même. Voilà. On ramasse. Bon, et ben voilà, ce sera tout. Donc, sachant que j'en ai laissé passer quelques-uns, si vous êtes en équipe avec un pote, c'est mieux. Il y a moins de chances d'en laisser passer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de spawns de poissons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le deuxième spot. Et voilà, je suis arrivé au second spot. Celui-ci, c'est le plus connu. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir, ceux qui ont vu ma vidéo sur ce spot. Mais en tout cas, il fonctionne très bien. Donc, c'est parti, je vais vous montrer où se placer. Donc, on va dire... ici. Allez, hop, sur la carte, on est à côté de Rhodes. Regardez bien. On est au-dessus de Rhodes. On est là. Il y a un mec à côté de moi. Me tue pas, me tue pas. Regardez, je me place ici, pile sur le rocher. Bon, il me tue pas. Comme ça, il aura du poisson gratuit grâce à moi, Léa. Regarde bien, mec. Donc là, à part rivière, c'est parti. Là, vous lancez la canne à pêche. Peut-être que vous pourrez pas parce que vous êtes trop avancé. Donc là, je vais me reculer. Non, c'est surtout que je pouvais pas parce que j'avais pas mis mon appât. Je croyais que j'avais encore, mais non. Ok. Ah, ça a déjà spawn là-bas, là, je vois. C'est parti. Vous lancez la canne à pêche dans l'eau et vous attendez. En mettant la vue, vous verrez que de loin, il y a plein de poissons qui spawnent là-bas et qui meurent échoués directement. En plus, ce sont des gros poissons. Ici, c'est un spot à achigan à petite bouche. Donc vous attendez hein, tranquillement. Pas longtemps, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Ok, le mec derrière, il fait comme moi. Regardez bien. Je vais aller voir là-bas. Et on va voir ce qu'on a. Alors... pas mal, en plus il y en a encore dans l'eau. Regardez bien. Achigan à petite bouche. 3 étoiles, enfin état parfait. On ramasse. Ça c'est du gros poisson. Voilà, et là il y en a une chien, il y en a un peu partout. Vous voyez, là il y en a encore deux. Et encore, j'ai pas pêché pendant longtemps. On peut le faire plus longtemps encore. Regardez. Là il y en a encore. Il y en a encore là-bas, là, vers le joueur. Voilà, on ramasse. Hein. Peut-être qu'il... lui, il s'en fout, j'ai l'impression. Il veut pas ramasser. Ça spawn encore, regardez. Allez, hop, mourez, s'il vous plaît. Ah, il a ramené une biche, lui. Ah, ok. Je vais lui laisser les poissons. En fait, il est là pour pêcher. Je vous préviens, il y a pas besoin, les gars, de ramener un cadavre d'animal. Pas besoin de biche ou de n'importe quel animal mort. Juste la canne à pêche, la lancer dans l'eau, ça marche. Vous aurez vos poissons. Donc, maintenant que je vous ai montré comment faire, je vais le laisser tranquille. Salut à lui d'ailleurs, il s'appelle Bredox. Et je vais aller vendre au boucher de Rhodes. Bon, là, retenez bien que j'ai rien attrapé, hein. J'ai rien pêché pratiquement. J'ai pris 2-3 poissons à chaque spot et je me suis barré. Je veux juste voir, en fait, par curiosité, le prix des poissons. Si ça a changé de beaucoup ou pas. Alors, achigan à petite bouche, c'est toujours 2$. Très bien. Saumon rouge, c'est toujours 2,50. Très bien. Ben, perche, 1$. Ben, ça n'a pas changé pour les poissons. Donc, c'est parfait. Alors, entre les achigans à petite bouche et les saumons rouges, vous avez le choix pour les deux spots. On va dire que, niveau simplicité, c'est celui d'à côté de Rhodes, le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il est juste à côté du boucher, regardez. Il est là. Après, il y a beaucoup de joueurs à côté de Rhodes. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent ce spot. Donc, c'est un risque. Le premier spot est beaucoup plus tranquille et il y a un meilleur poisson qui est le saumon rouge. Après, vous êtes un peu plus loin, mais bon. C'est à vous de choisir. Je me répète, cette technique est déjà connue depuis longtemps. J'ai sorti cette vidéo en décembre ou début janvier, je sais plus. C'est vieux et donc il était temps de la ressortir. Parce que Rockstar n'a pas pensé à le patch. Donc profitez-en un max, parce que ce sera sûrement patch un jour, ça. En attendant, moi, je crois que j'ai trouvé une nouvelle technique d'argent illimité. Je suis en train de l'essayer, de la pratiquer en ce moment. Il y a du gros potentiel, juste le problème, c'est qu'il me faudrait vraiment session privée, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de joueurs. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on verra si j'arrive à le faire ou pas, en session publique. Et on espère que ça marchera.
Bref, ce sera tout pour moi, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut. Première salle, un œuf, tu connais le secteur. J'ai tout le terrain sous mes Nike, je ferai comme un arnaqueur. Ils parlent juste de one pack beef, ils racontent des trucs de malade. Mon niveau, le leur trop diff. Une mesure, c'est juste une balave. Deux mesures, coup de lame dans la hanche, hanche, par terre, du mal à schéma. Trois mesures, les bas.